بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc aujourd'hui nous allons voir un sujet que je considère important car c'est un sujet futuriste, un sujet eschatologique dont nous devrons faire face dans le futur et je pense que ça a déjà commencé avec le conflit que vous connaissez. Et donc ce sujet concerne Gog et Magog, les entités de Gog et Magog. Donc ces entités sont citées dans l'Ancien Testament, sont citées dans les Évangiles et sont citées dans le Coran. Et vous avez une équipe qui a été donc financée par une personne riche et ils se sont rendus donc vers le Kirghizistan et ont pu découvrir et filmer la barrière de Djouj et Majouj. Et je pense que ceci fait partie de notre époque où il y a un dévoilement justement de beaucoup de faits historiques, beaucoup de découvertes, et justement qui nous permettent de nous rendre compte de la véracité des textes coraniques et des textes des anciens, des autres livres saints. Donc on va regarder donc cette vidéo. La qualité elle est pas terrible parce que j'ai pas trouvé meilleure hein, cette vidéo à l'ancienne, mais je trouve très importante parce que c'est une découverte séculaire. Donc je vais comme d'habitude décryptage et commentaire. Bismillah. تمثل حاجزا حدوديا طبيعيا يفصل جمهورية قرغيزستان عن أوزبكستان وكذلك كانت من قبل في عهد ذي القرنين تمثل حاجزا أو حدا فاصلا بين قوم يأجوج ومأجوج من جهة قرغيزستان وبين مملكة ذي القرنين من الجهة الأخرى إلا موضع ممر جبلي يقع بين جبلين متقابلين كان يعبر منه هؤلاء القوم ليفسدوا في أرض مملكة ذي القرنين من جهة حدود أوزبكستان الحالية. Donc il dit qu'il y a donc une barrière, d'accord, donc c'est le Sid, c'est la barrière de Gog et Magog, qui est une frontière entre le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Donc on verra, je vous montrerai sur Google Earth que c'est pas en fait exactement ça. Mais d'après lui, donc, cette barrière empêcherait donc ceux qui sont au Kirghizistan, au Ouzbékistan, de se rendre donc au Kirghizistan. Et donc cette barrière se trouve entre deux montagnes, comme c'est dans le Coran, Baina As-Sadafein, qui sont deux montagnes qui sont presque égales en hauteur. وقد أقام ذو القرنين هذا الممر الجبلي بالحديد وجعله شبه قائم عموديا كباقي الحواجز الجبلية الطبيعية المتصلة به في هذه الحدود وبذلك قطع عليهم الطريق إن الخرائط القديمة لمملكة ذي القرنين الملك قورش تظهر الحد الشمالي الشرقي مارا بهذا الردم المشار إليه على الحدود القرغيزية الأوزبكية في بداية القرن الثالث الهجري في ظل الخلافة العباسية وصل سلام الترجمان وكتيبته بعد رحلة استمرت عامين بدأت من العراق وانتهت إلى هذا الردم ثم عادت بالخبر اليقين للخليفة الواثق بالله بالعراق سطرت كتب التاريخ والجغرافيا قصة سلام الترجمان Donc vous avez pendant l'époque abbasside, donc le un des califes abbassides est intéressé et voit en rêve la barrière de Gog et Magog. Ça lui fait peur, donc il envoie Suleyman at-Turjuman pour aller à la recherche de la barrière de Gog et Magog. Donc il fait ça, il part de l'Irak et il se dirige au départ, je pense, vers l'impasse de Darial, ce que considère être la barrière de Gog et Magog qui se trouve au Caucase comme le Shir Amal Hussein. Et ce n'est pas mon avis personnel. Et ensuite, il se rend donc vers le Sed qu'on va voir, d'accord, dans cette vidéo que je vous montrerai aussi sur Google Earth. Et donc ici, c'est marqué Radm Yajouj et Majouj. Vous voyez ici le Kirghizistan. Vous avez la Chine, d'accord, et l'Ouzbékistan par là. Et là, normalement, c'est Kazakhstan et la Russie. On verra ça, tout ça, sur Google Earth, Inch'Allah.
وحددت المدن التي مر عليها والطرق التي خاضها وأشهرها طريق الحرير. Et ce qui est étonnant, vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur la route de la soie. Et ce qui est étonnant, c'est que la route qui a été empruntée par Suleyman al-Turjuman, ça a été exactement la route de la soie. Donc il y a en réalité pour moi une relation entre la route de la soie et la déferlante de Gog et Magog. C'est pour ça que la Chine d'ailleurs a ce projet futur de la route de la soie. من خلال جوجل إيرث بالموقع المشار إليه. عند مطابقة رسم موقع الردم مع صور جوجل إيرث ظهرت مطابقة شبه كاملة سواء في الجبال الثلاثة الواقعة أمام الردم. Donc lui dit quand on voit les images sur Google Earth actuellement et qu'on voit le dessin qui a été dessiné par Suleyman al-Turjuman, on se rend compte que c'est exactement ça. Vous voyez les trois chaînes de montagnes avec ici la barrière et ce Oued en fait par où il passe. Et regardez ici, c'est exactement ça. Donc voilà, entre la première et deuxième montagne, vous avez ici le Sed et le Oued qui passent. Subhanallah. Et ça, il y a des années en arrière, des siècles en arrière. نحن الآن نتحرك لردم ذي القرنين عبر جبال قرغيزستان الوعرة والتي يصل ارتفاعها في بعض المناطق لخمسة آلاف متر فوق سطح البحر. Donc lui explique qu'ils vont se rendre donc au Kirghizistan pour aller découvrir la barrière de Gog et Magog qui a été dessinée par Suleyman al-Turjuman. Ça c'était une première quand cette vidéo est sortie, subhanallah. C'était vraiment quelque chose de ajib. Et il dit que les montagnes ont une altitude qui peut aller jusqu'à 5000 mètres. Donc c'est, et vous allez vous rendre compte la véracité et l'importance de la barrière, c'est qu'ils ne pourront pas se rendre de l'autre côté de la barrière que si c'est fait par le biais d'un hélicoptère. أغلبها طرق غير ممهدة يتخللها مشاهد الرعي والرعاة والطبيعة الخلابة. تقع قرغيزستان بجوار الصين على حدود مشتركة قريبة من منغوليا وسيبيريا. Excusez-moi, je rabaisse la vitesse. Donc là, il dit que Kirghizistan se trouve donc en frontière, comme vous le voyez ici, avec la Chine, d'accord. Et en face, vous avez donc le Kazakhstan et la Mongolie. En fait, Gog et Magog, c'est ensemble, ça comprend des tribus nomades de l'époque, d'accord, des tribus qu'on peut qualifier de tribus barbares, primaires, ainsi de suite, et sauvages, donc ils vivaient dans des grandes steppes, donc c'est des tribus qu'on trouvait ici en Russie, mais aussi en Mongolie et au Kazakhstan. Il faut savoir que à la base, Gog et Magog ne s'attaquaient pas uniquement qu'au pays de l'Asie mineure ici, mais aussi à la Chine. La Chine subissait les attaques de Gog et Magog. Oh, je vous parle de ça il y a longtemps. C'est pour ça qu'ils ont fait la muraille de Chine. Mais la muraille de Chine n'est pas la barrière de Gog et Magog. Donc, on a dit que Gog et Magog, c'est une alliance turco-mongole. Donc, Kazakhstan, Mongolie et la Russie. Tout ça, c'est à la base, c'est des tribus qui ont une même origine, donc turco-mongole. جن علينا الليل فسنخيم هنا والصباح إن شاء الله ننطلق. Donc il dit on va passer la nuit ici parce que la nuit est venue
et demain on repartira. Vous voyez que même en véhicule, vous allez voir qu'ils vont galérer. صباحا نصلي الفجر وبعدين ننطلق الى الردم ان شاء الله الان نريد ان نقوي اجسامنا وعقولنا لذلك نحن ناكل مكرونة الذي يصنع يعني بسرعه كذا نضع فيه. Donc il dit que demain après le Fajr, on est déterminé à aller voir la barrière et on se prépare psychologiquement et physiquement. Et il dit on se tape un bon plat de macaroni. أشرق الصباح وتنفس كعادته وبدأت حياة الرعي والسعي والكل يبحث عن رزقه. Alors c'est lui le frère là que vous avez vu, c'est lui qui a lancé cette expédition. Il a été financé par un frère. Et je pense, Allah alam, si je ne me trompe pas, que ce frère il est décédé il n'y a pas longtemps. Subhanallah. Allah yarham. إن وعورة الأرض تجعل من اللازم الاستعانة بركوب الخيل حتى نصل لردم ذي القرنين والآن نبدأ الاستعداد للتحرك. Donc ils disent qu'ils ne peuvent pas atteindre la barrière qu'avec des chevaux. Donc là, ils laissent les voitures et ils vont utiliser des chevaux. تتخلل جبال قرغستان جداول المياه. Donc il explique que les montagnes du Kirghizistan, et ben c'est des montagnes sauvages, où il y a des steppes, il y a des torrents, ainsi de suite. Comme vous avez vu, il y a des troupeaux, donc c'est des gens qui ont l'habitude de s'occuper de troupeaux, ainsi de suite. قرغستان إحدى بلاد يأجوج ومأجوج في عهد ذي القرنين في القرن السادس قبل الميلاد حيث لم يكن قد سكنت بعد من قبل الشعب القرغيزي فقد كانت امتدادا جغرافيا لأرض منغوليا. Donc explique Kirghizistan c'était la terre de Gog et Magog à l'époque et que c'était comment dire c'était une continuation en fait de la Mongolie. Donc en fait, une équipe qui part en chevaux et le frère, là, il part avec des militaires pour pouvoir se rendre avec des hélicoptères au-dessus du sommet. Parce qu'en fait, ils ont besoin, je crois, de matériel ou je ne sais pas exactement, mais ils font ce genre deux équipes. كم من سنين وطأت أقدام يأجوج ومأجوج وخيولهم هذه الطرق الوعرة عبورا إلى مملكة ذي القرنين لتعتدي على أهلها وتفسد في أرضهم مع قرب الوصول إلى ردم ذي القرنين تبدأ مرحلة أخرى يتجهز فيها المتسلقون لحمل ما يحتاجونه فوق ظهورهم. Donc ils approchent donc de la barrière de Gog et Magog et donc ils prennent avec eux du matériel d'escalade.
هنا ينتهي دور الخيل ويبدأ صعود المتسلقين سيرا على الأقدام وصولا إلى ذلك الردم. كان هنا بركان، انفجار البركان، ورأينا في الوادي هناك بعض الأثار اللافا على الحجر. غريب أن بعض الحجر ليس عليها لافا وبعض عليها، هذا يفهم أنه لافا كان يسقط قطعات قطعات مختلفة يعني. هذا الذي في الجبهة خلف الردم يوجد هذا الحجر عليها أثار الحريق. Donc il dit que ça c'est des rochers, des morceaux de rochers donc qu'on trouve de l'autre côté de la barrière, et il dit on trouve les traces donc de du feu quoi, de d'une brûlure. Et il dit dans l'autre facette, bah elles sont pas, les pierres elles sont pas brûlées. Vous voyez comme ils sont en train de galérer pour se rendre à la barrière. Donc imaginez-vous ceux qui sont de l'autre côté. C'est pratiquement impossible. لحظات قلق وانتظار دائمين تترقب الأعين الشاخصة ظهور الردم العظيم لذي القرنين الذي انتظره ملايين البشر على مدار قرون عدة. Alors là, ça c'est exactement ce qu'Allah Azza wa Jalla décrit dans le Coran. Donc un mur, une barrière lisse, et c'est pas un sed. Une barrière, c'est comme ça, c'est droit. Et un radm, c'est quelque chose qui comble, d'accord, qui comble un trou. Et il y a un espace entre deux montagnes, vous allez voir les deux montagnes, et le radm, c'est ça. C'est le fait de combler un vide. Et donc, Dhul Qarnayn, qui est pour moi le prophète Sulayman, j'en parlerai plus tard, et celui donc qui a comblé ce vide entre deux montagnes qui ont la même taille, bayna sadafayn, deux montagnes qui se font face. Et ça correspond exactement à la description coranique, et vous allez voir encore plus. نلاحظ أن الجليد يغطي الردم باستواء شبه عمودي مسطح نظرا لاستواء الحديد وتسطحه أسفل منه. Donc il explique, regardez comment comment le mur il est glissant, il est bien droit, ainsi de suite. Et ceci c'est un peu aussi, c'est à cause aussi des métaux que contient donc tout ce qui a été mis entre ces deux faces, ces deux montagnes. وقد ظهر وسط وعورة الجبال أنه بالفعل من صنع البشر. إن من اتباع الأسباب عند ذي القرنين أنه استخدم زبر الحديد الموجود بتلك المنطقة نتيجة النشاط البركاني في صناعة هذا الردم. إن الجبلين المتقابلين في اللغة العربية يطلق عليهما صدفين، ويظهر هذا جليا أمامنا وهما متصلان بحافتي ردم ذي القرنين مساويان له في الارتفاع عند الالتقاء بقمته كما قال سبحانه حتى إذا ساوى بين الصدفين. Donc رب العالمين dans le Coran, Dieu dit حتى إذا ساوى بين الصدفين, jusqu'à qu'il a nivelé, il a mis le niveau entre les صدفين, les deux montagnes. Et donc ça correspond exactement, quand vous voyez, c'est exactement ça. Elles sont au niveau de la hauteur, de même hauteur. يعني له في الارتفاع عند الالتقاء بقمته كما قال سبحانه حتى إذا ساوى بين الصدفين. Vous voyez,
C'est de même taille. تهبط الطائرة المروحية على حافة أحد الصدفين أمام الرد ويظهر الوادي بيد أنه يستحيل النزول إليه من موقعنا هذا. أتوني زبر الحديد. زبر زي غرفة جمع زبر اللي هي القطعة من الحديد الكبير. Donc là, c'est Cheikh Shaarawy qui parle, c'est un exégète égyptien très connu à l'époque. Donc il dit, comme dit Dholkarnayn, donc Suleiman a dit, et ça c'est mon avis personnel, je ne suis pas le seul d'ailleurs, et il dit, Atouni Zubar al-Hadid, ramenez-moi des morceaux de fer. Donc il explique que Sadafain, Sadaf, c'est Al-Jabal. Et ensuite, Suleiman a demandé, قال اتوني اوفر عليه قطره, ramenez-moi donc du cuivre afin que je fasse fondre du cuivre. Ça, en fait, ça renforce non seulement cette construction, mais peut-être pour faire une sorte d'alliage aussi, que seul Suleiman connaissait le secret. Et vous savez que Suleiman, le prophète Suleiman, qui est pour moi Dholkarnayn, avait la particularité, et ça s'est reconnu actuellement par les historiens, d'avoir une vallée de cuivre entière dans la région de la Palestine. Donc ils ont mis des morceaux de ferraille. Imaginez-vous ce qui était capable de faire à l'époque les gens. Et n'oubliez pas que Suleiman avait la particularité de pouvoir être aidé par les humains, mais aussi par les djinns, ce qui lui conférait donc une force monumentale. Et donc ils ont mis des morceaux de ferraille et ils disaient « enfourou », donc comment dire, allumé, donc à l'aide à l'époque, je ne sais pas comment ils s'y prenaient, mais pour faire en sorte de faire fondre, donc de mettre en fusion donc, le métal, et ensuite ils faisaient fondre du cuivre à l'intérieur, et bien sûr tout ça parsemé de morceaux de rochers, de manière à ce que ça fasse vraiment un mur infranchissable, quoi. C'est, je crois aujourd'hui, tous les constructeurs voudraient connaître la recette de ce genre de construction. Et ce qui montre cette opération, c'est cette construction, c'est qu'Allah dit famastata'u an yadhharu, ils n'ont pas pu donc surpasser ce mur, d'accord, ce radm, wa mastata'u lahu naqba, ils n'ont pas pu le percer, parce que vu cet alliage de métal plus le cuivre, c'était impossible de percer ce mur. نحن على قمة الجبل الذي فيه الردم. بدا الردم وقد غطاه الجليد صيفا وشتاء. يعود ذلك إلى الحديد الذي يحتفظ بالبرودة والجليد. Donc l'explique qu'ils sont au sommet et que la neige, elle reste même en été. En été ou en hiver, la neige, ce mur est toujours couvert de neige. Pourquoi? À cause justement du métal qui est contenu dans ce qui comble en fait, cet alliage qui comble ces deux montagnes. طوال العام أكثر من الأحجار وذلك على مدار 2600 عام. Ah,
يتضح كم هذا الردم شاهق الارتفاع، وذلك من سقوط قطعة الجليد واختفائها قبل الوصول لأسفله. إن حديث يأجوج ومأجوج يحفرون الردم حديث ضعيف سندا ومخالف للقرآن الكريم متنا، لقوله تعالى: وما استطاعوا له نقبا. Quand je dis rien, c'est qu'ils disent des choses que j'ai déjà dit. Donc en fait l'objectif c'est de percer la neige pour essayer d'atteindre justement ce mélange, cet alliage qui a été fait, qui se trouve juste derrière donc ce sorte de mur de neige, cette plaque de neige. Et là ils vont utiliser donc un détecteur de métal afin de détecter le fer mais aussi le cuivre. Le cuivre en fait c'est al-qitr. Il y en a, ils disent le nohas, mais nohas c'est plutôt, si je ne me trompe pas, le nohas c'est le zinc, je crois. Peut-être nohas c'est le cuivre, mais de toute façon c'est ça, c'est du fer et du cuivre. من يسقط أسفل هذا الردم سيكون مصيره مثل هذا المجسم. Il dit ceux qui essaient de gravir cette montagne, ce qui leur arrivera, c'est ce qui arrive à ce qui a été jeté de ce mur. Regardez comme qu'est-ce qui lui arrive s'il essaie de grimper. قال هذا إيه رحمة من ربي رحمة يبقى أسند النعمة إلى المنعم إيه قال هذا رحمة من ربي إلى. Il dit ceci est une miséricorde de la part de ton Seigneur ce mur. لكن أنا عملت حاجة بس للدنيا حاجة للدنيا لكن إذا جاء وعد ربي في الآخرة يعمله إيه يبقى ذكر من. ياجوج وماجوج الغزو الأخير عيسى بن مريم عليه السلام علاقته بياجوج وماجوج. روي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه. Donc là c'est la vidéo elle est finie. Donc vous avez vu que ça correspond d'après moi au mur de Jouj, de Gog et Magog. Là c'est une courte vidéo, c'est autre chose, ça part de la descente de Isa alayhi salam parce que c'est lui qui va s'opposer aux armées de Gog et Magog dans la fin des temps. Et il va descendre dans Al-Minara Al-Bayda, le minaret blanc. Mais le minaret blanc, ce n'est pas celui-là, ce que les gens pensent. Ce n'est pas celui qui se trouve à la mosquée des Omeyyades. Encore une fois, alors peut-être que je peux me tromper, j'ai mon propre avis, je vous montrerai le réel en fait, minaret dans lequel Isa alayhi salam va descendre. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il se trouve dans un quartier chrétien, exactement à Babtouma. Et c'est juste un minaret qui est seul en plus, qui est d'une église, hein, qui montre la relation avec les chrétiens. Parce que la première chose que Isa va faire quand il va descendre, comme c'est dans le hadith, il va détruire les croix et tuer les cochons. Bien sûr, c'est métaphorique. Donc là, il parle du hadith quand Allah Azzawajal révèle à Isa alayhi salam que j'ai sorti des serviteurs dont tu ne peux rien faire contre eux, en parlant de Gog et Magog. Personne ne peut les combattre, c'est-à-dire qu'ils sont réellement forts. Hein, donc on s'imagine de la puissance de l'orazisme dans le futur, ça donne à réfléchir. Donc protège mes serviteurs au mont Tor, il a Tor, et Allah Azza wa Jal, donc enverra
Gog et Magog, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout à la base. Bien sûr, eux, c'est, ils font des choses, ils construisent la bête, ils font des choses, mais c'est Allah qui est derrière, qui est le décideur suprême. Donc ils descendront de toute hauteur. On peut le prendre sur la forme métaphorique et savoir qu'ils descendent de généalogies différentes. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يعني يسعون موضوعات شر بقى وعايزين يحطموا الدنيا ونفهم. واقترب الوعد الحق كنهم ييجوا من كل حدب ينسلون وأموا أهل الفساد على أهل الخير ماشي حيطول ليه؟ لأن الله يقول زي ما يقول اقتربت الساعة يعني يا غافل تنبأ إن ساعة الحساب قربت. Donc là, il y aurait un moment où Allah Azza wa Jalla décidera qu'il y a une déferlante de Gog et Magog. Là, ce sera un moment, on va dire, difficile pour les croyants. C'est vraiment une grande épreuve. Et donc, ils se rapprocheront, comme c'est dans ce hadith-là, donc du lac du Tibériade. Ils boiront de son eau. Et le dernier, parce que c'est une grande armée, le dernier dira, mais il y avait de l'eau ici, et à un moment. Et vous savez que le niveau du lac Tibériade baisse avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, ça c'est le lac de Tibériade qui se trouve entre la Galilée et le Golan historique, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Donc je vais vous montrer donc maintenant une autre vidéo en relation avec ce qu'on vient de voir sur Gog et Magog. Comme vous le savez, dans l'épopée de Dhul-Qarnayn, dans son périple, se rapproche de ce qu'on appelle Ain al-Hamia, une source d'eau boueuse. Parce que l'Hama, en arabe, c'est une sorte d'argile noire qu'on retrouve au fond d'un puits avec une odeur particulière. Ça peut être l'odeur du soufre, d'après mes recherches. Bien sûr que moi, j'ai ma vision des choses, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein, c'est des avis, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein. Vous ne pensez pas que c'est moi qui j'ai inventé quelque chose. Souvent, je suis précédé de Shir dans le domaine de l'eschatologie. Donc ici, Ain al-Hamia, vous avez le Shir Amal Hussein qui dit que c'est la mer Noire, et d'autres qui disent autre chose. Vous allez voir, c'est plus pertinent cet avis que celui de Ayman Hussein. وفي صورة التقطتها الأقمار الصناعية وضحت شكل البحيرة من الفضاء واللي بتظهر على شكل عين عملاق. Donc là, ça c'est, vous allez voir, je vous le montrais tout à l'heure, c'est une source d'eau boueuse qui est, c'est une source qui a une particularité, hein, qui ressemble à ce qui est décrit coraniquement et qui est pas loin de la barrière de Gog et Magog, entre le désert de Gobi et, si je me trompe pas, ou en dessous, non, c'est en bas du désert de Gobi et pas loin de la barrière de Gog et Magog. Comme vous voyez, ça ressemble, subhanallah, je pense, hein, en tout cas, d'après moi, à un œil. Parce que l'Aïn, en arabe, c'est une source, mais en même temps, l'Aïn, c'est l'œil. أما بالنسبة لوصف البحيرة فبتصب فيها الأنهار وبتتغذى على ينابيع ساخنة وبها رواسب طينية واسمها عند الشعوب الكرغيزية البحيرة الساخنة. Et faut savoir que ceux qui habitent au Kyrgyzstan appellent cette source le lac qui est chaud, en fait, hein, l'eau qui est vraiment chaude. Le Hamia, c'est aussi, il y a une racine commune avec tout ce qui est chaud. الغريب ان البحيره دي ما بتتجمدش على مدى السنه رغم الانخفاض الشديد في درجات الحراره في كيرغيزستان واللي بيوصل لحد 25 درجه مئويه تحت الصفر. Donc malgré qu'il fait très froid dans cette région, cette source jamais elle gèle, elle ne gèle jamais. بيصب في البحيره دي حوالي 118 نهر ده بالاضافه للينابيع الساخنه اللي بتمد البحيره بالميه. البحيرة بتقع بين سلسلة جبال شاهقة من كافة الأطراف بيشدها من الشمال جبال تودع تريسكي ألاتاتو ومعناها المبتعدة عن الشمس ومن الجنوب جبال تودع كونجي ألاتاتو. Donc elle est entourée de montagnes, elle donne les noms, c'est des noms compliqués, hein. غرب البحيرة ب 500 كيلو يوجد سد عظيم يقال إنه هو سد ذو القرنين. Donc là elle parle du sed de l'Qarnayn. Moi je vais vous montrer maintenant sur comment dire, sur Google Earth ce qu'il en est.
Donc, alors ça, c'est ce que j'avais fait d'après quand j'avais fait mes recherches hein, sur. J'avais tout mis sur Patreon, tout en détail. Il y a des vidéos, il y a des. Tout a été fait. Donc, j'ai retracé tout le périple en partant du constat premier que Dhulqarnayn soit Sulayman alayhi salam. Alors, c'est compliqué, c'est pas compliqué en fait, mais il faudrait une vidéo toute seule pour expliquer pourquoi Sulayman pourrait être Dhul-Qarnayn. Donc ici, il part de la Palestine, donc ça c'est à l'époque, il se rend là-bas par la voie maritime. Donc il passe par là, détroit de Gibraltar, ensuite il passe par là, là il contourne, il contourne, il contourne, et comme dit le Coran, Hattaïda Balara, ce qu'il arrive vers Matlia, au début c'est Matlia Shams, d'accord? Donc c'est le... Confirmer ça. Donc il arrive vers comment dire vers le lever du soleil Matlia Ash-Shams. Et donc pour moi Matlia Ash-Shams c'est les îles hawaïennes. Et ensuite Wajadaha Tatlu'u attendez, je vais remettre sur le telkab, excusez-moi pour me tromper. Donc là, c'est Sourate Al-Kahf. Il t'interroge sur Dhul-Qarnayn, dit, je vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affirmé sa puissance sur terre, comme Salomon, nous lui avons donné la voie libre à toute chose. Il suivit donc une voie. Donc il a emprunté la voie qu'on a vue ici, donc celle-là qui part de Palestine, ainsi de suite, par le détroit de Gibraltar. Ensuite, il arrive par là. Hop, hop, hop. Tout ça, c'est par la voie maritime. Alors bien sûr que peut-être Sulayman, il avait, n'oubliez pas qu'il avait un vent qui l'aidait, de la puissance, d'une vitesse d'un mois. Hein, donc n'oubliez pas ça, il avait l'aide des djinns, ainsi de suite, c'est pas de la rigolade. Quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Donc là, j'ai mélangé, excusez-moi. Là, c'est le coucher du soleil. Donc, il est dit que l'élément le plus proche du coucher du soleil, il y a certains endroits sur Terre, mais l'endroit le plus connu, c'est les îles hawaïennes. Ensuite, donc, il assiste au couchant. Il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Donc, ils disent Wajadaha, c'est qu'il avait cette impression que le soleil se couche dans une source boueuse. Alors, moi, je pars du constat que cette source boueuse, c'est de la lave volcanique, parce qu'elle a les caractéristiques d'Al-Hama'a, cette source boueuse, parce qu'elle ressemble à ce qu'on retrouve dans le fond des puits, à savoir une sorte de mélange argileux qui pue le soufre, ainsi de suite, avec une odeur exactement comme c'est défini linguistiquement. Donc, quand vous voyez un soleil se coucher derrière le sommet d'un volcan, vous avez l'impression qu'elle rentre dans une source boueuse. Ça, c'est mon avis personnel. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dit, ô Dhul-Qarnayn, tu les châties ou tu uses de bienveillance. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Ces gens-là devaient être dans le shirk. On sait que dans les îles hawaïennes, avec les tatouages et ainsi de suite, c'est des gens qui sont dans l'adoration. Ils sont dans le paganisme à fond. Ils ont plein d'idoles dans leur île, ainsi de suite. Quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Je ne me trompe pas très loin des îles hawaïennes, vous avez les îles Salomon. Puis il suivit une autre voie, donc il continue, d'accord? Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Donc il continue. Et là, il se dirige vers où? Vers les pays du Levant, là où le soleil se lève. Donc, c'est connu, hein, Japon, pour commencer, Corée du Nord, la Corée, ainsi de suite, la Chine, voilà. Donc, moi, au début, je me suis dit, c'est peut-être cette description coranique. Il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voile entre eux et le soleil, c'est-à-dire ni montagne, ni ce que vous voulez. Donc, ça peut être qu'une région désertique où là il y a des steppes. Donc au début je me suis dit peut-être que c'est au Japon et ensuite je me suis dirigé plutôt vers le désert du Gobi parce que le désert du Gobi c'est eux qui subissaient les attaques de Gog et Magog. Ou peut-être que c'est le Japon, je sais plus parce que ça fait longtemps que j'ai pas révisé ce que j'avais dit dans Patreon. Il en fut ainsi et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie, donc il continue.
Quand il eut atteint un endroit situé entre deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Donc, à mon avis, donc l'endroit, je vous ai dit, qui sont les steppes, sont plutôt à partir du Japon, vous continuez. Donc, dans des steppes, dans ces régions-là où il n'y a pas de. C'est pour ça qu'ils ont les yeux bridés, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de voile entre eux et le soleil, c'est connu. D'ailleurs, tous les symboliques de ces pays-là représentent un soleil levant. Et ensuite, il avance, et il rencontre une peuplade donc qui ne comprenait presque rien. À cause de quoi? À cause des attaques de Gog et Magog. Mais le fait qu'il ne comprenait rien n'est pas lié à des attaques de barbares ou des tueries, ainsi de suite. C'est plutôt aussi une attaque démoniaque, parce que Gog et Magog est une sorte d'entité hybride humaine et démoniaque. C'est pour ça qu'il fallait que la personne adapté et qui était propice donc à créer cette barrière ne pouvait être que Salomon, car il avait une emprise, comme vous le savez, sur les djinns. Il les emprisonnait, ainsi de suite, c'est très connu. D'ailleurs, le prophète a dit que vers la fin des temps, il est fort probable que des djinns emprisonnés par Salomon ne sortent. Et ici, vous voyez, donc ça c'est la barrière de Gog et Magog. Et pas loin, vous voyez ce qu'on voit, Aïn al-Hamia. Ça, c'est pas mon avis, mais je trouve que c'est pertinent. Donc, c'est soit c'est, comme j'ai dit, le volcan, ou soit c'est ça. Mais moi, selon la chronologie, je pense que même si ça ressemble à un œil, Aïn al-Hamia, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est plus pertinent, je trouve, que la vie de Jamal al-Hussein sur la mer morte. Donc, ceux qui vivaient dans ces steppes-là subissent les attaques de qui? De Gog et Magog, tout cela. Qui sont des gens qui vivent dans ces steppes du Kazakhstan, qui sont d'origine des tribus turcophones à la base, des steppes de la Russie. À la base, c'est avec la Russie, ben, c'était des grands paysages, c'est des grandes steppes, des grands terrains comme ça, des grandes terres vides, ainsi de suite, où vivaient des peuplades, des gens qui vivaient d'une manière très primaire. C'est pas quelque chose de péjoratif, mais à l'époque, c'est la réalité. Et aussi des tribus des Mongols qui vivaient dans les steppes de Mongolie. Tout cela se sont associés dans une entité qui sont Gog et Magog. Donc ils s'attaquaient non seulement à l'époque à la Chine. La Chine s'est protégée par la muraille de Chine, mais s'attaquaient aussi au Kirghizistan, à l'Ouzbékistan, au Turkménistan, au Tadjikistan, sûrement l'Afghanistan, ainsi de suite. Et donc Dholkarnin, quand il est venu, il a rencontré des gens donc qui la yakadun evqahun qawla. Donc quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières montagneuses, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Donc pour moi, j'étais venu à la conclusion que l'endroit qui est entre deux barrières montagneuses, c'est le désert de Gobi. Pourquoi? Parce que là, il y a des chaînes montagneuses qui entourent, comme vous le voyez, le désert de Gobi. Donc Dholkarnin, par son périple, il est passé par là, et c'est ici qu'il trouve cette peuplade. Alors, qui ne comprenaient presque aucun langage, ils dirent « Oh, Dholkarnin, les Gog et Magog commettent du désordre sur Terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre nous et eux ?» Il dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. » Donc, ça veut dire que Dholkarnin n'a pas besoin d'argent parce que Salomon était très riche. « Aidez-moi donc avec force et je construirai un remblai entre vous à eux. » Donc, imaginez-vous une aide djinnique plus humain, sont capables de faire des choses extraordinaires. Apportez-moi des blocs de fer. Dholkarnin pouvait rapporter du cuivre, mais il lui fallait du fer, parce qu'il avait la vallée de cuivre en Palestine, et c'était peut-être, ça mettait un peu de temps, mais c'était possible d'en ramener. Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre deux montagnes, il dit souffler. Lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ainsi ne purent guère l'escalader ni l'ibrécher non plus. Ceci est une miséricorde, comme on l'a vu tout à l'heure, de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la première de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est véridique. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres. On soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Alors, donc ces peuplades qui était vers là, du Kazakhstan, comme on l'a vu, passé par un Oued. Donc moi, j'ai fait l'itinéraire du Oued. Je me suis pris la tête et j'ai réussi à retracer un peu une grande partie du Oued. Et on va voir aussi la barrière de Gog et Magog de plus près. Donc c'était le chemin
qui suivaient à l'époque, qui prenaient à l'époque. C'est exactement ce que vous allez voir, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc en faisant mes recherches, la conviction que c'est ça, et en plus j'ai retrouvé de la symbolique chez les Mongols, où dans des drapeaux, ils représentent les trois montagnes. Ces trois montagnes, en fait, qui sont à côté de la barrière et qui seront présentées, subhanallah, dans la carte de Suleiman à Turjuman. Et tout ceci, vous l'avez sur Patreon. Ce serait compliqué à tout expliquer, mais je rapporte énormément d'arguments. Donc ici, comme vous le voyez, c'est la barrière qu'on a vue de Gog et Magog. Regardez, hein, c'est, subhanallah, c'est parlant. Vous voyez, donc voilà. Donc avant, il y avait un wadi, il passait par là. Donc ça a été bouché. Et n'oubliez pas que peut-être maintenant c'est pas aussi clair parce que avec les siècles ça fait plus de 2500 ans voire 3000 ans et ça a changé hein, au niveau de la géologie, c'est tout à fait normal. Donc alors j'avais retracé ce WED, voilà. Donc vous avez là les trois montagnes qui sont représentées dans les différents schémas de Suleiman à Turjuman, et vous avez le WED, voilà. Donc j'ai suivi ce WED. Tac, 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 tac. Et il n'y a pas d'autre chemin. J'ai essayé plusieurs. Je me suis pris la tête. Mais voilà. Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. En plus, vous voyez une source d'eau ici. Et donc, il passe par là. Voilà. Donc, continue. Et là, on aboutit, donc, comme vous allez le voir. Voilà. Donc, tout ça, c'est le début des steppes. Tout ça, c'est le Kazakhstan à l'époque. C'est les grandes steppes des tribus turcophones. Et ici, vous avez aussi les tribus mongoles. Donc, c'est une alliance turco-mongole. D'accord ? À la base. Mais maintenant, ça change. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la Chine qui prend le rôle de Gog et Magog, qui devient la tête de Gog et Magog. Et il faut savoir aussi qu'avec le temps, les tribus turco-mongoles se sont intégrées et se sont mélangées aux Chinois durant des siècles. Hein, ça a changé depuis qu'ils ont pu contourner la barrière avec les moyens de transport modernes et ainsi de suite. La modernité a fait qu'ils ont pu contourner donc ceci. Mais il ne faut pas confondre la présence de Gog et Magog avec la déferlante. La déferlante, c'est autre chose. C'est à un moment donné, quand Issa alayhi salam sera là, ils vont déferler. J'ai même retracé tout le périple, donc qui ressemble à la route de la soie, construite par la Chine, le périple des tribus de Gog et Magog vers la fin des temps pour se rendre en Palestine, là où ira Issa avec son armée. J'ai tout retracé. Donc voilà. Donc je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Et puis si vous regardez à la base, alors attendez, je crois que c'est ici. J'avais émis l'hypothèse qu'un des noms aussi de Dholkarnayn, c'est celui aux deux... alors comment je vais faire pour retourner ça? C'est celui au... Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça va être compliqué. Alors... Vous allez comprendre ce que je veux dire. Dholkarnayn, c'est deux sortes de deux cornes. Donc ici, vous avez Dholkarnayn, il a fait presque le tour, ce qu'on appelle le lever du soleil vers le coucher du soleil. D'accord ? Dans les extrémités de la Terre, Dholkarnayn. Et vous voyez ici que Dholkarnayn, en partant de la Palestine jusqu'à la fin de son périple, eh ben, ça fait comme ici, sorte de corne, d'accord ? Deux extrémités. Voilà, ça c'est un des sens de Dholkarnayn, celui qui a atteint deux points de la Terre, extrême de la Terre. Voilà, il a fait donc carrément le tour de la Terre. Donc voilà, la vidéo elle pourrait être encore plus longue. Je pourrais essayer de vous apporter une tonne d'arguments. Mais ceux qui veulent amplement d'arguments, je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait comme recherche. Donc vous voyez ici par exemple, non c'est pas ça, excusez-moi. Donc voilà, ça c'était une carte mentale, voilà, que j'avais fait. Et je suis obligé de zoomer un peu. Voilà, donc j'ai tout revu, tout ce qui concerne Gog et Magog, d'accord. Barrière de Chine, muraille de Chine, Khazar, parce que j'ai oublié aussi de vous dire tout à l'heure, mais les tribus, on va revenir ici,
les tribus du Kazakhstan ici ont été rejoints aussi par là, par les tribus, comme vous savez, ici il y a les tribus dont fait partie l'Ukraine, hein, les tribus Khazars. Les Khazars, c'était des gens convertis au judaïsme qui ne sont pas à la base des descendants de Ben Israël. Et c'est pareil des sauvages qui vivent dans des steppes. Et à la base, ceux-là ont rejoint aussi cette union, cette sorte d'alliance de steppeurs, entre guillemets, du Kazakhstan et de Mongolie pour s'attaquer à tous ceux qui étaient là. D'accord? Ça aussi, il fallait le souligner. Donc j'ai fait des recherches sur les Khazars, le nouveau mondial, entité hybride démoniaque, concernant dans le futur les robots, l'intelligence artificielle, les descendances non adamiques, tout ce qui est hominidés, ainsi de suite, les extraterrestres, les clones. Ensuite, on a parlé d'Al-Muqarana, le Qarin, j'ai fait des vidéos aussi sur ma chaîne. Emprisonnement des démons durant le ramadan, les étoiles filantes, vous savez que dans les étoiles filantes il y a du cuivre, min nuhasin fala tantasiran, Allah azza wa jalla jette des étoiles filantes contenant du nuhas, c'est pas pour rien, parce que c'est le cuivre qui est utilisé contre les démons. Bon, il y a plein de choses, hein, je suis obligé de synthétiser et de simplifier tout ça. Ensuite, sur Suleyman, les recherches sur Suleyman, qu'est-ce qui prouve pour moi que Salomon est Dhul-Qarnayn? Les autres préposés à être Dhul-Qarnayn, Cyrus le Grand, Alexandre le Grand, Sa'd ibn al-Harith al-Qahtan, Gilgamesh, Pharaon Akhenaton, ainsi de suite. Je suis arrivé à la conclusion que c'était Suleyman. Ensuite, il y a aussi le CERN qui est lié à ça. Il y a pas mal de choses. Donc, le lien Google Earth, vous l'avez vu, la déferlante de Gog et Magog, la vie des savants sur Gog et Magog, parole de compagnon sur Gog et Magog, la barrière, les hadiths du prophète, les versets du Coran, les textes de livres saints, tout a été revu, la Chine, Tatar-Mongol, le pass de Derbend, c'est Bab al-Bawaba, ceux qui disent Bab al-Abwab, ceux qui disent que aussi c'est la barrière de Gog et Magog se trouverait là-bas. Donc tout ça, les montagnes d'Altaï, les Khazars, l'histoire de la Mongolie, les Turcites, tout a été vu, les uns, les tribus barbares des uns, les nouvelles routes de la soie, les lacs Tibériens, tout a été vu en détail, avec des réflexions, avec des débats, avec tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est, je ne dis pas que j'ai raison, la vérité se trouve auprès d'Allah Azza wa Jalla, mais mon avis concernant Gog et Magog est celui-ci. Donc je pense que la vidéo, les frères qui ont fait l'effort de chercher la barrière de Gog et Magog, l'ont réellement trouvée, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez un j'aime, partagez-la. Et n'hésitez pas à commenter et donner votre avis dans les commentaires avec respect. Et si je peux répondre, j'essaie de répondre tant bien que mal et vous expliquer pourquoi j'en arrive à ces conclusions. Je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je suis désolé, la vidéo était longue, mais c'était essentiel.